Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour le Grand Likita, le débat de Radio Manguembo. Cette émission va connaître aujourd'hui la participation d'un invité de taille, puisqu'il s'agit de M. Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, président de la PARECO, l'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo. Pour conduire ce forum, ce débat, je bénéficie de la collaboration de mon confrère Tumba Tutu de Mukose, qui est journaliste à l'hebdomadaire congolais Flash Congo, et il est aussi administrateur du site internet laconscience.com. Ce débat va connaître aussi la participation de notre collaborateur Jules Ngoubou, philosophe, diplômé des études supérieures de philosophie. Jules Ngoubou a été chef de travaux à l'ISP Gombe. Pour ce débat qui va porter évidemment sur le Congo-Kinshasa, nous avons encore une fois à dire merci à M. Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba d'avoir accepté l'invitation de Radio Manguembo. C'est un plaisir. Le Grand Likita. Voilà donc, on démarre cette émission. Monsieur Honoré Ngbanda Nzambo, vous êtes aujourd'hui à la tête de la PARECO, l'Alliance de Patriotes pour la Refondation du Congo, après avoir évidemment exercé quand même de très lourdes responsabilités à l'époque du Zaïre, dirigé par le maréchal Mobutu. Je rappelle que vous avez été ambassadeur du Zaïre en Israël, ministre de la Défense et conseiller spécial en matière de sécurité. Aujourd'hui, vous avez pris la tête de la PARECO. J'insiste bien, ça veut dire Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo. Le Congo est-il à refonder? Je crois que oui. Et je ne crois pas si bien dire, parce qu'aujourd'hui, vous comme moi, vous savez que l'État congolais est mort. Donc nous n'avons plus d'État aujourd'hui. Il n'y a personne qui met ça en doute. Et puis, au-delà de la mort certaine de l'État, de l'inexistence de l'État, il y a surtout, j'insiste sur la refondation, parce qu'il y a question des valeurs. Nous devons repartir sur des nouvelles valeurs. Si ce pays est aujourd'hui arrivé à l'état de liquéfaction totale actuelle, c'est parce que nous avons, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, évolué sur des anti-valeurs. Et je pense sincèrement que ce qui vient de nous arriver, c'est comme un grand malade qui sort de l'hôpital et qui échappe à la mort. Et il dit, je dois maintenant mener ma vie en tenant compte des choses qui m'ont amené à l'hôpital. Et c'est pour cette raison qu'en parlant avec la jeunesse de la PARECO, parce que la PARECO, moi je mets un accent particulier à la jeunesse, l'avenir de demain, j'insiste beaucoup auprès des jeunes de la PARECO, ne reprenez plus les anti-valeurs d'hier et répartons sur les nouvelles valeurs. Voilà pourquoi je parle de la refondation. Monsieur le Président, il y a une question qui me vient en tête. Quelles sont les motivations qui sont à la base de la création de la PARECO? Oui, les motivations sont nombreuses, mais je prends la motivation principale. Notre pays, comme vous venez de vous le constater certainement maintenant, a été attaqué. Notre pays est occupé. Et aujourd'hui, l'État congolais est mort. Et face à cela, nous assistons à une querelle puérile, inutile, je dirais même idiote, des Congolais entre eux. Au moment où l'ennemi est en train de prendre notre pays. Et on voit beaucoup de Congolais se précipiter dans le créneau de positionnement du pouvoir et dans ce jeu ou ce combat de pouvoir, comme chacun pourra l'identifier, on oublie l'essentiel. Et moi, j'ai dit, au niveau de la PARECO, il faut que les patriotes congolais, au-delà des divergences, au-delà des ambitions, au-delà des contradictions. Il faut que nous puissions nous focaliser d'abord sur l'essentiel, c'est-à-dire nous regrouper pour libérer notre pays qui est aujourd'hui entre les mains des étrangers avec l'appui des puissances extérieures. Et tant que nous ne comprenons pas que nous, Congolais, nous devons taire nos divergences, nous mettre ensemble et libérer d'abord le pays et après
ouvrir le jeu démocratique, je pense que nous perdrons le pays. Et c'est ça, vraiment, le sens pointu de la PARECO. Mais comment vous allez vous y prendre pour libérer notre pays? Avec quels moyens? Ben, la libération du pays, comme vous le savez, demande beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre populaire, il y a le paramètre politique, il y a le paramètre militaire, il y a le paramètre économique. Si vous avez suivi ma démarche depuis que j'ai repris mes activités politiques, j'ai lancé un appel à tous les militaires congolais de toutes les fractions à dépasser leur divergence pour se mettre à la disposition de la nation. Parce que j'ai dit depuis le mois de juin 2004 qu'on ne peut pas libérer un pays si on n'a pas d'armée. Aujourd'hui, les faits continuent à me donner raison. On peut me taxer de tous les noms, mais les faits et l'histoire me donnent raison. 4 ans après cette transition qu'on a inaugurée, parce que nous n'avons pas d'armée, nous ne pouvons pas contrôler l'intégrité du pays, nous ne pouvons pas ramener la paix, nous ne pouvons pas ramener l'unité du pays. Moralité, les étrangers qui occupent notre pays poursuivent leur processus. Donc il y a là le premier facteur, le facteur militaire. Il y a le facteur populaire, c'est-à-dire le peuple doit prendre conscience. Et ça, c'est le travail que j'ai fait en écrivant le livre « Crime organisé ». C'est pour interpeller les intellectuels de mon pays, l'élite de mon pays, et en même temps conscientiser le peuple que nous sommes devant un grand danger, le danger de la perte de notre pays, qui risque d'être occupé complètement par les étrangers demain, non seulement à l'est du pays, mais au niveau des institutions. Et ensuite, il y a le facteur de l'engagement des leaders politiques. Et c'est le message que j'ai lancé aussi dans la direction des leaders politiques. Donc je peux vous dire qu'il y a 3 axes principaux. Il y a l'axe de l'armée, il y a l'axe du peuple et il y a l'axe des leaders politiques. Et c'est avec eux. Je ne suis pas un Rambo pour pouvoir libérer le pays tout seul. Je lance là un appel à tout le peuple, à tous les niveaux, au niveau de l'armée, au niveau politique et au niveau populaire, pour que tous nous prenions conscience du danger et que nous puissions nous regrouper ensemble pour récupérer notre pays. Voilà. Oui, donc, Monsieur Honoré Mbanda Nzambo, parce que c'est très important pour comprendre les Camerounais au Lingo Sala. Ce qui est dans mois, il y a 4 ans dans le lobby, il a fallu que les Congolais soient en dehors de Yamboka pour voir au sol. Cela veut-il dire que les leaders congolais sont incapables de se faire ce qui m'a la quantité? Mon frère a posé une très belle question. Le problème est que les leaders congolais sont incapables. Au moment où ils sont dans San City, pourquoi ils sont dans San City? Vous ne voulez pas la réconciliation? Le problème, ce n'est pas d'aller à San City. Tose ko kende na San City pona ko sala nini. Mon frère, na San City, kuna ezala ki banani. MLC, RCD, AFDL, PPRD aujourd'hui, et puis balobi, l'opposition politique non armée, qui n'avait pratiquement bazaki même na liloba ya kolobana katite. La réalité ezali nini. Parce qu'il faut peut-être que Bissoba Congolais tout comprendre ce problème et Naningi qu'on expliquait maintenant bien. Mbo Kanabiso na 80, na 96, Tango Balobi, Laurent Désiré Kabila a sali guerre civile. Laurent Désiré Kabila a sali guerre civile, t'es. Et ça qui guerre d'invasion. Oui, ça là qui angolo le Rwanda et l'Ouganda na Burundi. Avec l'appui, il y a bah Occident, oh, bah, ça là qui derrière Bango. Bah, envahir Mbo Kanabiso. Laurent Désiré Kabila zaki na armete. Même el Museveni ye moko na Kagame. Bah, reconnaître yango na émission et le cas qui a wabouya. Ya Canal Plus. Bah, lobi nini Kabila zaki na armete. Bisonde to sali attaque, mais to lobi to luka, Congolais moko tout ya elikolo, po azanani nwana. Ça, c'est première attaque. Donc là, ezalaki guerre de libération, ezalaki guerre d'invasion.
na guerre d'invasion wana comme ba signaki na Laurent Désiré Kabila nini accord ya lemera po ape sa bango une partie en mboka pe atiki la bango mboka mais Laurent Désiré Kabila tango a komi a moni pression ya bana mboka ami a comprendre que ça lié l'heure a boy ko appliquer nini ya lemera balinga ki ba bomaye na 98 tango ba raté opération ya ko occuper Kinshasa po bana ya Kinshasa ba tu ba empêché que ba Rwanda ba kamata mboka. Oboyebi opération en a très bien. Bien sûr. C'est à partir de là que bato wana nyoso bayaki bami replier pe na bango. Tango bazongi pe na bango baye ko fabriquer maintenant deuxième agression. Mbalo ba pesi yango isu kombo ya Fidel te ba pesi yango ba kombo mi bale RCD, MLC, MLC oyebi ke zaraki ya Uganda. Nini RCD oyebi ke zaraki ya Rwanda. Donc bato yo wana o ba keina ni na San City. PPRD ou Afdelo ya yaki ezalaki Rwanda na Uganda nini MLC RCD nyonso ezali émanation ya ba agresseur bon siko ba kei kuna kokuta na ndeko nanga olobi dialogue inter congolais ke ba congolais ba bundi entre bangote et en ce moment na ebisa ki deja na ba collègue na ngai ba leader politique et loko wana e ko meme biso nulle part parce que to kei kuna bango na bango. Qu'est-ce qu'elle est la moralité? Na koto nani na katia ba détail trop te. Ba bimiseli biso accord o ba bengi yango accord global et inclusif. Mon frère nasi na bandi koloba yango depuis pe na yebi que motu moko ko contredire ngai te. Bozai ba komisango. Bo sala enquête na binu. Tourner langai kombo ya leader congolais moko. Oyo a participé ki na rédaction ya accord global et inclusif. Atange la bino kombo na soko yelinga na ko changer analyse na ngai. Il n'y a pas eu un seul congolais qui a participé na rédaction. Biloko wana nyoso e utaki na Rwanda ngai na zolo bilayo na zaiki na baninga na ngai o ya ba sud-africain o bazaki ko sala biloko wana. Tango bango bazé na San City ngana zaki na contact na bango. Bazé ko yebisanga ba bime mon frère et loko nini e komi na mboka na bino parce que makambo ezo lekawa. Ba koro tozo préparé wa congolais moko azé na katite. Oyebi ezala ki bana expert rwandais. La monture na biloko nyonso utaki na Kigali pona accord global biloko na zolo bawa moto ya ko contredire nga sa te. Alors une fois de plus biloko wana nyonso basali yango pourquoi 1 plus 4 ezali nini partage ya gâteau mais gâteau wana e partage yango banani kaka ba agresseur na kati ya biloko wana nyonso tout le quoi to lobby en dehors ya nini composante politique non armée. Mais une opposition politique non armée, tout le reste c'est émanation il y a agresseur. Ce qui fait que dispositif bâti ba lengelika kapona ko kotisa batuna bango pona ko occuper mboka pe ko sala en sorte que pendant la transition yo ba tirer transition en long pour que Kagame na Museveni bazwa temps ya ko si sa plan ya occupation na mboka et tumba enaze ko bunda banda et bandeli nazo ko belela na peuple congolais bazé ko ndima te mais ti lelo ba fait eze ko pe sa raison porto yebisa ki déjà na yebisa ki que dans 2 ans élection et ko sa le matin ba yo boy ba journaux mosusu ya Kinshasa lokola ba si ba liambongo ya bapaya ba fesinga tous les noms d'oiseaux. Mais et si quand on commune à le 30 juin, mais ça limitait. Il n'y a eu aucune élection. En ce moment, peuple congolais a mis rendre compte que Eloko Bakende ki kosa kuna na San City bakosi. Parce que na San City, mon frère, Eloko ni Bakende kosa la kuna. Balobi na San City, au moins, conclusion bango ba tiré na kati, soki ngai na ndimaki que. Toti kapé bango bak basale loko basali parce que au moins conclusion batira ki tolobi toko juger bango na test one. Baloba ki 5 étapes. Il faut to réconcilier mboka. Il faut toti a sécurité na mboka. Il faut toti a armée et des armées nationales. Il faut banini batunyo se bazai pa et to sala misala nyonso to pacifier mboka. Et puis après ba condition wana nyonso to organiser ba élection le 30 juin. Mais 2 ans après. Tant que tu commis le 30 juin 2005, à ta condition, moko étape, moko izalaki franchité. Alors, peuple à l'oba kinini, peuple à l'obi, en ce moment, bisognon soto l'obi, bon, to tikela kibino 2 ans. 2 ans wane koki, bo sali rien. Il faut maintenant que
nini comédie et si là bati kabiloko pembeni bana ya mboka nyoso to fande sika moko toti ya gouvernement ya biso moko toti ya un programme très précis à mokuse porte to sala ba élection ba transition to kota nano une fois pour toutes na phase ya démocratie que peuple a pona moto ya lingi tango to lobi yango bato ba paya ba zo kusunga 1 plus 4 ba lobi pa question ba soutenir bango ba beti ba tumasasi ba tuba kufi ba bengisi armée ya bapaya et ko occuper mboka po ba kanga mboka ya bana mboka communauté internationale obinini on est topé sa bango un an etikali et le ko wana na lobaki yango pe na za isel te bande ko mususu ba lobaki yango na lobaki bona lobi mais soki 1 plus 4 azali capable na ko réaliser programme ya 5 étapes en 2 ans te comment à cause à la capable et à réaliser en gros en un an pe à sa la élection nyon so wana ezali koluka ko endormir bana mboka pote dans l'autre temps processus ya occupation ya mboka na biso na est emi déroulé ba mosusu bandimité yango to zena ngo lo kwato komi lelo omoni ndenge to kotina kati ya potopot je ne sais pas si aujourd'hui on pourra me dire que ben élection ane ko sale mana délai wana mais justement to zana no mo ke sika wana au lobby le comme très important bien à 98 occupation qui ça s'est rattaqué pour peuple qui conscient comment bido balider politique pour capitaliser qui éveille conscience on a mon en qui est pas qu'on était en 98 puisque même en 2000 début à 2005 na fin 2004 tango ba to kuna ba to ba qui occupé parti à est et tango mbusa avec les kuna il a fallu que les gens marchent et qui ça ça ba to ba tellement il va marcher mais tout chaque fois tant que population va marcher les paramètres populaires. Papa, ça là, kaka malamu, au sala une rétrospective. Question on a encore tout n'engagé, tout n'a pas basaki au sala politique. Tango bisoto bimi pendant 7 ans, ngana boyaki, je me suis tu et j'ai dit je ne fais pas la politique. Je laisse na bato yo baye ko renverser biso, balobi ba bongisa mboka, tout ce que la bango peut tamba bongisa. Pendant ces temps là, je n'étais pas aux affaires. Tout n'engage ce qui va se passer demain. Wana na koye bisayo parce que oya lobby to ko laisser passer lobby e ko sa isusu vide ko zalate. Mais oya hier le cas qui vide zalaki. Parce que bango moko bazaki ko sala na ba valer na bango mais oyo siko biso toze ko mi organiser na cadre ya pareko avec ba patriote nyon surtout. Oya lobby vide ko zalate et fais-moi confiance. Est-ce que vous croyez que le peuple va vous suivre? Mon frère, il ne faut pas me poser cette question si le peuple va me suivre. Oui. Il faut plutôt que nous tous, comme intellectuels et leaders, nous puissions sensibiliser le peuple. Vous savez, moi je dis toujours une chose. Le leader, il a souvent un rôle difficile. Mais il doit jouer ce rôle. Le leader n'est pas là pour suivre le peuple. Le leader est là pour éclairer le peuple. Le peuple peut aller les yeux fermés avec beaucoup de joie pour dire « Ah, c'est une bonne voie ». Mais le leader est là pour dire « Attention, là où vous allez, ce n'est pas la bonne voie. La voie est de ce côté-ci ». Votre question est très bonne parce que vous voyez, un homme politique occidental m'a dit quelque chose, et j'aimerais peut-être dire ça pour illustrer la réponse à votre question. Un homme politique occidental m'a posé cette question-là. Il m'a dit, « Monsieur Ngwanda, train yasuka, j'ai dit ça na Lingala, abi train yasuka yango ezokenda. Yo zali kopeki sabatoune élection, ce train, c'est le dernier train. Vous le prenez ou vous restez dehors ?» Vous savez, Nathalie est droit dans les yeux. Na yebisi na lobi monsieur nakotanga kombo na yawate na lobi voici ma réponse train oyabino bolongwe nango e payo yo yebi bozo ya nango ngai nazali leader na yebi ke na kati na train wana bino boti bombe na yebi ke na wagon na locomotive kuna liboso boti bapaya po ba meme peuple boken ko bwa ka bango na liburu na lobi moi vous passerez avec ce train. Parce que moi, je sais ce qui est dans le train. Le peuple ne sait pas, le peuple peut monter. Mais peuple, il y a Kolandangaï, Tokotika Alibanda. Parce que le moment où vous allez jeter ce peuple dans le ravin, il y a une équipe pour qu'il ne soigne. Mais ce qui est bien, c'est Tokotina Kati, il ne restera plus personne pour qu'il soigne.
notre rôle, n'a pas si image pour dire que mon rôle en tant que leader, c'est de crier, c'est de mobiliser. Et je vous dis sincèrement que je suis très content. Parce que il y a un an, ce qui m'a dit au niveau du peuple, mais au moment où nous parlons, n'a commis débordé parce que n'a yébi que surtout au niveau de la jeunesse et la jeunesse intellectuelle m'a commis conscientisé et c'est à cette jeunesse que maintenant revient le travail à conscientiser le peuple illettré pour que bah yébi que l'ikama est allié payoy au moni par exemple nini référendum au basarakiao au moni référendum peuple attendit référendum t'es ayebi même bagmususu namnani ne intérieur et mboka bazo tuna babi mais référendum azakanani ba pesa biso identité na eba décrire biso poto voter il ne savait même pas ce que veut dire référendum donc vous voyez là le rôle aux otenango mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils profitent na ignorance et à peuple pour na kolobana non ceux qui vont voter référendum malheur na bino esili et zendenge baloba ki na biso na indépendance que mokoloka bozi indépendance bo sali sumo salate bo kende bilangate ninite et puis mbongo et koya bo et puis c'est toujours ce mensonge qui a conduit le peuple à la misère. C'est pour cette raison question posée ngai c'est une belle question. Je crois que je ne compte pas sur moi-même pour convaincre le peuple congolais, nazo compter sur toute l'élite congolaise. Mais justement monsieur Mbanda vous avez dit que vous avez voté en 2004, tant que vous avez voté que c'est fini le 30 juin 2004, voilà qui n'a pas eu le DPS. Lélo, tu sais que dit, à Nimi Komata, na train wana, au balbagi au mata, au boy komata, il y a bien matin na train, mais dans quelles conditions? Alors, aux en jugement là-dessus, puisque ce qui. Au fur et à mesure, aux en moto, aux en balidé, moussous, mais ce moussous, basali sensible. Na discours ba bon très souka ngona sur besoin en côté botique là et que souka ngene ni question na ezema lam oyebi mon frère tozali na kati ya etumba etumbeze monene ezengonga yo tokoto na koswana kana kati na bisote soki omoni moninga na yo aksali pa oyo monike zai pa e komema na libulu obeleli e kakobi ndeko sala keba e pa yo yo kei okokwea na libulu olobeleki na yebisi oyo nazolo belayo na yebisie na yebisie na ndenge na bakano otosolo la kanango pe na kanishi lelo a comprendre parce que na yebisaki na lobi na bandeko oyo tosola kana cadre ya ba patriote na lobi bo sala keba tokokota do lobi bon écoutez loko la possibilité zalite po batu mingi bazo réfléchir comme ça ba lobi mais siko possibilité loko ezali susute tokota kaka na kati tokende ko maîtriser bango na kati. C'est ce que bande comme ça balobi wana mais naibisi bango pardon na lobi écoutez il faut toke ba malamu ne loko toze pour ça avant okota na kati ya processus pour okende ko maîtriser yango il faut za la sûr que dans le processus okozana ba paramètre et ko permettre yo ko maîtriser ce processus talaka ka ce qui s'est passé na référendum et si ka ba sali organisation à référendum d'abord campagne à référendum et ça limité baoyo basengele ki kosala campagne contre non bakangi bango na prison communauté internationale a lobby rien nini vote ya nini ya référendum ba truqué yango résultat oyo ba publier na résultat oyo bima ki ezali yango te bande ko ya UDPS ba yebi poto échanger na bango ba information bango ba zena preuve ya tricherie ya ba résultat ngai pe na zena preuve le quoi nazolo ba non na preuve ya ba document interne oya bango moko ya ba service na bango oye zai ko talisa résultat oyo ba service ba pesi na oyo malumalu a publié décalage monene or bato ba zai ko encadrer ba élection na zai ba tu ya service mais au moment en réalité décalage zai monene dans tout ça kozila te que communauté internationale a ko tombola ta mosapi pour na koloba ke ano ngana tuna ki bango na lobi mais est-ce que réellement et pa na bino awa par exemple na France tango bosala ki nini référendum pour na Union européenne pour na constitution gouvernement a sali campagne pour na oui ba oyo mosusu ba sali campagne pour na non non et l'équipe majoritaire gouvernement a cédé mais pour quelle raison ce qui comme pe na biso na mboka
bateau et y a ba belge bazo basé na kati y a ba commission ana ba komi ko menacé vous devez simplement voter oui pe bazo ko lo baso bo voter oui te bo comment no malheur au point que même dans le processus na programme na bango o comment na que ils n'ont même pas prévu ils n'avaient même pas prévu élection y a non. Et c'est ça, c'est là le problème, mon frère, pour dire que cocotte en akati ndenge le kobande qu'on a vu sur IDP, c'est pas quoi, t'es nabi, mais est-ce que cocotte en akati beaucoup contrôler mécanisme comment, bah logiciel où il y a bah élection, toi yebi que basi bah baby si ango, na outi kobimi ça même une lettre dernièrement, il y a liboso na bimi ça ka une lettre, il y a dès le début au moment déjà même il y a enrôlement. Na bimisa ki lettre na publié ba document ya ba rwandais oyo ba zui déjà ba document na biso ya perte de pièces pe ba zeko ya pona komi komisa ça c'est un pendant nini l'enrôlement na signalé pe na dénoncé nombre et belé des millions des centaines de milliers de rwandais oyo ba koti pona ko ya komi inscrire les loyo bo lobby lobby na bimisi une lettre na site ya pareko ou Natalie Polele que baouti ko kanga une rwandaise na Kivu avec ba kit ya élection o ya ba matière ya outi ko tricher na ngope azongi na interrogatoire na ye alobi makambo mi balais intéressant alobi ya liboso que ye azai rwandaise mais ba enrôlé ye na bureau ya comité des élections mon frère. Comment un Rwandais ou une Rwandaise peut quitter le Rwanda aya comme pena biso à côté na kati ya bureau ya enregistrement sans que complicité ou talikolo. Ça c'est un. Yami balé à lobby, je ne suis pas seul. Tozali et belé. Yami sato na kati ya nini à reconnaître que esika longwa ki na Rwanda aya ki déjà na logiciel avec combo ya ba Rwandais et belé oyoyé na cadre ya nini opératrice de saisie ba ke koti ya emene sika ya clé un homme dont on ne connaît pas l'identité azé congolaise était ba tié wana pe asili ko koti sa liste ya ba Rwandais fictive ou véritable ba koti na kati. Et ici, nazo fungola simplement une parenthèse, peut-être que tu attends et que cela n'ango, bato yuana nyoso ba rwandais, ba zui attestation, ni une carte d'électeur. Mon frère, est-ce que vous voyez que carte d'électeur wana à partir na yango ba komi ba congolais, ba zui identité congolaise, alors que justement, tozé na problème ya identité, crise ya identité, mais basé ko koli sa crise wana, alors élection yango et ko pesa ba congolais résultat nini. C'est là la question que je pose aux Congolais. En tout cas, merci monsieur Mbana pour na premier point. Tous à moi pose puis tout côté na deuxième point. Deuxième point est quand même les lorsque balobi que au bout de 6 mois token na ba élection, il y a un processus qui s'est mis en place. Tolingi rapidement au conseil même chose analyse tout à l'heure potoyeba d'abord jugement na yo na moi mon seul salami na baningo ba na transition. Okay. Puisque pour le moment, toujours le bacaga vaguement, au côté au PSA Baba Combo, au PSP point de vue dans les Panabango, et puis après, Tokokuba émission à mission. Merci. Le grand Likita. Retour sur le plateau du grand Likita. Merci Honoré Mbandanzambo d'être toujours avec nous. J'aimerais juste, avant que nous attaquions sur ce processus qui est en place, le processus électoral, qui a été lancé avec le vote du référendum et qui doit continuer avec la loi électorale qui est arrivée au Parlement. Je voudrais juste vous lancer sur ce premier point. Le Parlement et le Sénat congolais viennent de rejeter la proposition des listes bloquées et zébrées soutenues par certains pays occidentaux et qui auraient pu arranger manifestement le RCD et Kigali, pour ne pas citer les autres parties prenantes au conflit congolais. Ne peut-on pas louer ici l'action de Kabila ou des parlementaires congolais? Non, corrigeons les choses tout de suite. Pas l'action de Kabila. Kabila a fait pression sur les parlementaires pour qu'ils votent la liste zébrée. Ça, il faut donner cette information-là aux Congolais. J'ai, dans ma lettre que j'ai publiée dans le site de la Pareco, j'ai donné même les lieux, la date et les heures où Kabila, les hommes de Kabila sont venus faire pression sur les parlementaires congolais pour voter la liste zébrée.
Il faut d'abord dire aux Congolais qu'est-ce que voulait dire cette liste zébrée. Qu'est-ce que ça voulait dire cette liste-là? Parce que c'est là, vous savez que au mois de janvier ici, Roubaix-Roy a fait la tournée aux États-Unis et en Europe. C'était pour demander aux Occidentaux de soutenir la proposition rwandaise, qu'il y ait des systèmes de la proportionnelle, mais appliqué uniquement pour les Rwandais qui habitent notre pays, ceux qu'on appelle les Banyamulenge et autres là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que par cette clause-là, ils ont non seulement l'assurance de contrôler tout l'Est, parce que n'oubliez pas que, je viens de le dire ici, ils ont fait entrer en fraude beaucoup de Rwandais avec les pièces d'identité congolaises, et ils ont fait entrer aussi beaucoup de données par fraude, par le système de logiciels, dont le cas que je viens de dénoncer, de la Rwandaise qu'on a arrêtée à la frontière, avec des longues listes pour augmenter le nombre des Rwandais comme électeurs. Je vous coupe, justement. Vous avez vu les listes sur les 25 millions d'électeurs qu'on a identifiés. On a vu que le Kivu représentait le plus grand nombre d'électeurs, voilà, même devant Kinshasa, vous qui avez eu à gérer un peu ce pays. Mais est-ce que ces chiffres vous paraissent logiques par rapport à la configuration des Kivu? Mais absolument pas du tout. Cela dénote justement la démonstration de toute cette magouille qui s'est faite dans l'ombre pour mettre les gens, les Rwandais, augmenter le nombre des Rwandais. Mais en faisant passer, revenons ici aux élections, en faisant maintenant passer cette clause de la proportionnelle, on le fait uniquement pour les Rwandais du Congo. Mais nous avons combien de tribus qui ne sont pas minoritaires? Moi qui vous parle, je suis aussi d'une tribu minoritaire. Pourquoi on ne fait pas la proportionnelle concernant les Ngbandi, on doit le faire concernant les Banyamulenge? Qu'on m'explique pourquoi. Qu'est-ce qu'ils sont par rapport à ma tribu? Qu'est-ce qu'ils sont par rapport aux tribus Nandé? Qu'est-ce qu'ils sont par rapport aux tribus des Batété là? Et autres. Non, mais nous sommes tous des Congolais. Si nous avons adopté ce système, c'est parce que nous avons à la base opter pour le système unitaire et nous disons toutes les tribus se valent, la diversité, notre diversité dans l'unité, c'est ça qui fait notre force. Donc, heureusement que les parlementaires ont cette fois suivi, quelques parlementaires ont cette fois suivi l'écho et l'appel du peuple, des patriotes congolais, et ils ont résisté à l'intérieur. Parce que je vous dis, ils ont subi la pression de lobbies belges. Ils ont subi la pression du PPRD et des autres qui sont à l'intérieur du pays. Donc mais ce n'est pas à mettre au crédit de Kabila. Mais non, mais Kabila a agi et il a fait agir pour qu'on fasse passer. Mon cher ami, vous devez savoir une chose, que Kabila, Roubaix-Roy ou bien Kagame, c'est la même chose. C'est ce que les Congolais n'ont pas encore réussi à intégrer. Et quand nous disons ça, le danger c'est quoi? C'est que Bato Wananyoso, Ezala Kabila, Ezala Roubaix-Roy, Ezala Kagame, sombi tellement ba Congolais que lelo ywebazali à l'aise. Et komi ko combattre ba patriote Congolais, ba Congolais bangomoko. Ce qui lelo lo kwa nazolo ba wakomona, jamais un Rwandais ne me répondra. Na komi, ainsi sonne le glas, na komi ni ni crime organisé. Rwandais à répondre en gaite. Mais qui réagissent? Les Congolais. Ba Congolais wapi, oyo ba Rwandais, ba sombi bango comme ba valet. Oyo danger to komi nango peuple Congolais, ba maintenant yango wana. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ba Rwandais, ba komi loko la ba pacha. Ba si ba sombi ba valet wana bazo samisa na bango bango ba fandi bazo appuyer sur le bouton. Yo kende ko sa la pression kuna. Yo yo bo loko la nini ba mosusu ba komi ko kende ko somba même ba église. Ko somba conscience ya ba pasteur na église. Pona kolobangai nazali chrétien comme Bino, c'est bien. Un chrétien, il est international. La chrétienté et la religion chrétienne n'a rien à faire avec la nationalité, le problème est de la souveraineté. Ou on a un problème et la chrétienté. Tozali ba chrétien, mais chaque chrétien, nous avons appelé ça Mboka. Yo soko zé chrétien rwandais, Mboka na yo Rwanda.
toko yoka na toko sambila, toko okuta na bipa nyoso tolingi, toko bonde la kaka kombo ya Yesu wana moko. Mais en ce qui concerne la gouvernance du pays, nde konangai wana basaka na kanangote. Talambo kaloko la nini, Gabon eze pembe na biso. Mm. Po yon motu, opwe sa candidature, no, po ma chef d'état. Oyebi ke namboka wana, il faut... Batala que quatre générations ont prouvé que quatre générations na yo ils ont prouvé que yo zali nini mwana mboka, c'est-à-dire tata ya boti na mama na yo ba ba boti bango pe ba ba boti ba wana na ba boti ba wana yo moni ndenge batu pe, et pourtant basem ok mais basi ko protéger mboka na bango bongo biso mboka monene na batu ebele to kende ko koma lokwa ba bolole to zotika ba paya n'importe qui aye akomika ka aye n'église ah, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, amen amen to kamati yo ko komi nini congolais. Mais c'est, on ne joue pas avec la nationalité, c'est ça le problème aujourd'hui chez nous. Monsieur le président, vous n'avez pas été à Sun City et vous dénoncez l'accord global et inclusif qui a été signé par les différentes composantes et entités. Mais aujourd'hui, en tant que président d'une plateforme qui prône la refondation du Congo, qu'est-ce que vous comptez faire si demain les élections sont triquées? Voilà. La première chose, je veux, mon combat aujourd'hui, je veux que ces élections, que les Congolais ne s'engagent pas dans cette élection. Voilà mon combat aujourd'hui, c'est ça. C'est le premier combat. Je peux le perdre, je continuerai, je répondrai maintenant à la deuxième phase. Mais à la phase où nous sommes aujourd'hui, j'ai dit d'abord aux Congolais, Congolais, peuple congolais, faites très attention. Et moi, je suis à l'aise parce que je sais que je gagnerai ce combat, mon frère. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, j'ai dit au peuple congolais, en tant que leader, et avec moi, d'autres leaders qui ont gardé cette même lucidité, que les élections qui se passent, nous ne sommes pas contre les élections. Les élections, nous devrons aller aux élections. Mais je disais encore à quelqu'un, nous, nous sommes des intellectuels. Ce n'est pas parce que le peuple dit j'ai faim, qu'il faut aller prendre des champignons vénéneux et lui donner parce qu'il a faim. Non, nous, nous sommes l'élite, nous sommes les yeux, la bouche, la tête, le ventre a faim. Mais la tête doit réfléchir sur la qualité de la nourriture à lui donner. Aujourd'hui, le peuple veut les élections. Mais le peuple ne veut pas les élections pour les élections. Le peuple veut les élections pour mettre fin à l'occupation, à la misère et à tout ce qui vit aujourd'hui à l'humiliation. Or, moi, en tant qu'intellectuel, je sais que les élections qu'on prépare ici, c'est un piège qui va renforcer et empirer la situation de mon peuple. J'ai dit à mon peuple et à d'autres confrères, faites attention, moi je dispose des renseignements précis que je donne même aujourd'hui régulièrement à la population pour qu'on ne dise pas que nous ne savions pas. Mais dans le cas où le peuple ne me suivait pas, et dans le cas où il y aurait quand même élection. Je vous dis une chose. Un, je suis sûr que le peuple va se révolter. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde, n'a pas besoin de message, partout nanine. Babi, mais papa m'a dit, yo yakande, bo sanganabinyo surtout, bo barre la route na moto. Parce que biso to lingi élection, pour te mettre fin na bapayo, ba yoko konza biso. Or, justement, tout a été déjà conçu dans ce système d'élection pour que ba confirmer batouane. Moi, je dis simplement ceci, classe politique, peuple congolais, totalement, tout bloqué, processus, tout réclamé les meilleures conditions, il y avait élection pour tout perdre sous beaucoup de temps, tout kendel sous son habitumba mousou souté, tout kamata rapidement. Des dispositifs et permettre biso tout ça là les véritables élections. Mais cela nécessite votre présence sur le terrain à Kinshasa. Écoutez, présence sur le terrain pour la campagne, oui, mais que je ne ferai pas la campagne pour ces élections-ci. Entendons-nous bien, je refuse de m'engager dans ce train piégé des élections qu'on a concotées avec les lobbies belges qui ont déjà tout fait à l'extérieur comme à l'intérieur du pays pour confirmer la situation que nous avons actuellement. Si les Congolais ne me croient pas, comme je l'ai toujours dit, ils me croiront au résultat. Mais je me bats d'abord pour ça. Parce que quand nous arriverons à cette phase-là et que les Congolais verront demain
qu'il n'y a pas le résultat des élections, ce n'est pas ce qu'eux attendaient. C'est en ce moment-là qu'on me verra sur le terrain et je ne vous dis pas comment. Monsieur Mbanda, on a Balobaki Naba Congolais, Balobi, il n'y a pas d'autre voie pour Mbokami ne retrouver qu'il n'y a que le 1 plus 4. Alors, yo, et le gouvernement sera pour renforcer justement front wane bandiko fungwama. Justement, là, on posait une bonne question. Parce que quand Tshisekedi na UDPS et Basi Bakoti, attention, il faut faire très attention. Tshisekedi alobi na lingina kota, mais a posé ma condition pour que va permettre y a kota pour contrôler. Est-ce que ma condition UDPS a posé pour y permettre y a kota pour contrôler le système du dedans ba PC yango? Ouverture réaliste, ba pécité, kokota na kati ya ba institution, oyezali ko organiser élection, ba pécité, bon, vous connaissez si c'est que dans à moins qu'il y a comme zoba, que loko ya lobi que na lingi na kota à condition que vous pèse ngai, ba condition pour na mi battre du dedans. Nga na zota la na yebi saki bango na bi vieux, bokota. Loko ya lobi kota, mais nga na yebi sio que ezay train piégé. Mais kola yo koti, tikaka lokolo moko libanda. Parce que kuna nakati biloko soba pesio biloko nyoso yo sengi bongo koti si lokolo mosusu mais tika lokolo na moko libanda potango yo komone ke train lingé démarrer au moni nano clair était benda lokolo nayo ko chanter nano victoire avant la guerre était tu sais que de yakoti na nakati mobimba te parce que moi j'ai suivi ba demande na bango na IDPS ba tuna ki ba joie quand même ba garantie mais au moment qui réponse ba si ba pesi bango réponse était déjà négative. Alors maintenant, ngana ze kota la ndenge nini bande ko ya biso ya IDPS ba ko réagir parce que maintenant basé ba zo baté ba soki ba kota ki na kati ba yebi pona nini ba kota ki eloko ba kota ki po ba zo ba yebi eloko ango mais soki ba zuite ba kotika la na kati ça c'est une question mais à cela mon frère je reviens sur une chose le peuple congolais a commis rendre compte na kati ya mikolo ezo ya waboye rapidement que c'est du bluff. Et tant que le peuple a commis rendre compte que c'est du bluff, et tant que le peuple a commis rendre compte que nous sommes tous les salariés, et tout le monde, même quand il y a bruit de bottes dans l'Est, il y a un abattoir dans l'Est. Ce qui a dit que le salarié, c'est vient de quoi? C'est tout cela. Il faut prendre tout cela en ligne de compte. J'ai un goût, Yosan, la biseau, lundi, moi, l'Isolande et les Kiawa, Osan, à moi, synthèse, mon groupe, c'est ça. Par rapport à Yali Solo, tout concernant M. Mbanda, surtout pour les Cambodges au Congo, parce que le tableau est vraiment mal monté. Mais ce que tu as dit, mal monté, ils ont eu la bas au Congo, ils ont eu le sommet. Oui, tout à fait. Tableau est mal monté, je vous concède ça, parce que j'ai suivi la conversation de tout ce que le président de l'Alliance des patriotes congolais, n'est-ce pas, en train de présenter ici, ça rejoint globalement, et avec certains détails bien précis, crime organisé en Afrique centrale. En attendant la fin du processus qui est engagé, que vous êtes en train de décrire, j'ai l'impression que vous risquez de prendre comme attitude se frotter les mains à la fin de ce qui sera un échec en réalité. Et autant que ceux qui se sont toujours frottés les mains, lorsque chaque étape qui ouvrait un peu de lueur à la marche, lueur d'espoir pour le Zaïre, sombrait dans le chaos, sombrait dans le ravin. Ah, merci beaucoup. Vous permettez que je puisse faire une mise au point sur cette image. Ici, il ne s'agit pas de pouvoir se réjouir des échecs. Mon attitude, mon combat, c'est de faire en sorte que les Congolais, vous avez utilisé un mot qui est plus juste, que les Congolais découvrent l'illusion. Vous avez dit quelque chose qui est très fondamental, que jusqu'ici, on joue avec le peuple congolais parce qu'on lui vend chaque fois des illusions.
et vous les avez inventoriés, je ne vais pas revenir là-dessus. La dernière illusion que nous avons ici, ce n'est pas l'échec. C'est la mise au point que je veux faire. La dernière illusion que nous avons ici, c'est l'élection. L'illusion qu'on veut vendre aux Congolais, ce n'est pas l'échec des élections. C'est moi qui dévoile, qui tire la sonnette d'alarme sur le piège qui est dedans et qui aboutira à un échec. Mais ce que les autres vendent au peuple congolais, c'est les élections. Oh, les élections, on est beaucoup attendu. Vous n'avez jamais voté. C'est la première fois que vous allez voter. Dès que vous aurez voté, vos misères finiront. Même à l'Est, pour la campagne du référendum, on leur a dit non, mais le référendum, ne cherchez pas à savoir qui est monsieur référendum. Il viendra après, mais vous votez seulement. Quand vous aurez voté, parce que les mamans cherchaient qui est monsieur référendum. On a dit non, votez seulement. Quand vous aurez voté, il n'y aura plus de guerre ici au Kivu. Tout, il y aura la paix, donc maintenant il y aura le calme et tout. C'est ça l'illusion. Or, justement, en voulant vendre encore une fois de plus cette illusion, comme on avait vendu l'illusion du dialogue intercongolais, comme on avait vendu l'illusion de la conférence globale internationale, comme on avait vendu l'illusion de 1 plus 4, que c'était vraiment la meilleure des choses, on nous a vendu l'illusion Joseph Kabila, on a dit ça c'est vraiment le meilleur, les Européens l'aiment beaucoup, c'est un jeune homme beau, il est calme, c'est vraiment ce qui convient pour vous les Congolais. C'est tout ça, ce sont des séries d'illusions qu'on a vendues aux Congolais. On n'a jamais voulu dire aux Congolais de s'assumer pour résoudre les problèmes de fond. Or, mon combat à moi, c'est de dire aux Congolais, stop aux illusions. C'est ce que j'ai dit même dans la lettre que j'ai adressée dernièrement aux parlementaires. Arrêtons de mettre notre tête dans le sable comme l'autruche et de refuser de voir le danger qui est devant nous. Regardons le danger d'en face et attaquons d'en face. Alors, quand vous dites, est-ce que vous avez utilisé l'image du football, que ça se gagne au second mi-temps. Mais moi, le match n'a pas encore commencé, mon frère. Pour moi, le match n'a pas commencé. Je n'entre pas dans ce train-là. Je ne suis pas sur ce terrain de football. Parce que l'arbitre, je ne le connais pas. Les joueurs qui portent le même maillot que moi, qui devraient porter le même maillot que moi, ne sont pas de mon équipe. Je ne me suis jamais entraîné avec eux. Bato yebi tata na bangote mama na bangote ba yeba koti na mboka na bino et puis après babino voter bango makambe kotambola bien et vous allez les voter. Non, moi ce n'est ni la joie d'attendre un échec ni de frotter les mains et d'attendre la fin du match parce que le match pour moi n'a pas encore commencé. C'est simplement dire au peuple congolais c'est un faux match, ça n'ira pas au bout, c'est un mauvais train, ça tombera dans le ravin. Organisons-nous et créons notre propre train où nous-mêmes nous sommes à la commande et nous pouvons organiser les choses parce que nous savons où nous irons. En tout cas, M. Honoré Nganda n'a rappelé encore que aux alliés présidents, il y a APARECO, Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Congo Ango, tout le temps, point faible Nango, Tando Dachi Nango, et c'est là qui, na Est, Tango FDL Ekouti. Lélo encore, après Basan City, après la réunion, nous sommes tous ça va se calmer à l'Est. Lélo encore, Toki, Kundabatoare, Ayeli Soussou, na Est. Alors, est-ce que Gosa Loko, la ministre de la Défense, il y a Congo, ou Azali actuellement en transition, M. Onusumba ou Akeneki Kuna, à l'Obi, va négocier. Non, Kundabatoire, tout le monde, Human Rights Watch, américain, il n'y a rien à faire. Motowana a dit Motako Kangema et ONU n'a pas soldat à Congo, Kangaye, mais il y a tous les armées. Alors, tout le problème, les Kinangaï, Ezali, c'est que Bisso, Bakongolais, Tolingi ko comprendre tete so ki tozali na armée ya biso moko gouvernement ya biso moko te toko bima na kati ya makambo oyo te ngai na za na ba preuve pe mikolo ezeko ya nzambe ya kosalisa na ko continuer ko bimisela peuple batu mingi bazo bimi mais ozokolo ba mingi mais to passer na action c'est bien ça je laisse ça encore de côté mais nazo répondre na question na yo mikolo ezeko ya na ko talisa bino que Makambo yezeko sale mayakunda batware. Joseph Kabila
Rouberoa, Kagame, Bango, Nyonso, Misato, basé derrière Koundabatoire. Il faut que Congolais aille Bango une fois pour toutes. Mais malheureusement, le quoi na lobby, Joseph Kabila a répondre en gaite, Rouberoa a répondre été, Kagame a répondre été, mais Bamboa et Congolais, oh, ba fouti Bango, Bango de Bako tel moment, le lobby Bako bima pas Bamana Finganga. Atika président Nabiso, ah yo Zarakinini, ah yo Zarakinini et tout cela. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils ne veulent pas que le peuple congolais prenne conscience dans les Kambonaze Koloba. Mais moi, je continue. Mais le Human Rights Watch, mais justement, comprendre les Kambonaze. La vérité, c'est la tribu de Dieu. Boma yango salanyo solingi, on ne tuera jamais la vérité reste la vérité. Et Kobima toujours na se yamai. Donc tout ce qui se fait là, le Human Rights, ayeba yango kala. Ce qui a bandi koloba lelo, je cherche à savoir pourquoi maintenant y a bandi koloba yango. Parce que ayeba yango kala, c'est une vérité qui est connue. Je l'ai dit au début, dans mon livre, j'ai sorti des preuves pour vous montrer que dans cette histoire, il y a tous ces gens qui sont derrière. Problème est à Koundabatoire. Problème est à Nini Yababa, Interamwe. Mais ils allaient contre-tenir Interamwe Banane. Et c'est contre-tenir Interamwe, les Rwandais. Les Rwandais qui sont au pouvoir chez nous, ils ont l'armée, ils ont la présidence, ils ont la sécurité. Mais Congolais ont contrôlé Nini. Et Bango Moko Mindele, hein, frère, il faut quand même que les Kamalamu. Et si on a dit que les Congolais ont commis drogué Angoana. Mindele Bango Moko, l'Union européenne, a publié document. Et puis il a rendu qui même public rapport na Bango. Et Bango Moko a lobby que le gouvernement yo a lingi ko mettre sur pied armé. Baboy qui bati a sur pied armé. Pourquoi? Pour que les autres en armée, les hommes à Kambo et Sili. Ba Soudan a biso ya phase. Bazali est belé. Mais bazo ko tia bango pembeni, bazo ko kemeta ba tanzanien, bazo kamata ba zimbabwien pour na koya ko occuper mboka na biso. C'est ça le drame. Pourquoi pour baibi que si c'est vraiment les Congolais, le problème va être résolu rapidement. C'est pour cette raison que j'ai dit, pour moi, je lance un appel et j'ai commencé et je vais maintenant m'adresser directement à tous les militaires qui sont en contact avec moi. À l'intérieur, à l'extérieur, à tous les leaders congolais, tous azimuts, nous devons aujourd'hui Kamboya barrière aux soldats civils et alités. Bah soldats, toko mobiliser bango. Bah civils, toko mobiliser bango. Il est temps. Pour to komi monano yasuka. Toko tika les sous masoué les kate. Maintenant, il est temps. Comment on va le faire kotou nanga yangote? Parce qu'on ne le fait pas en public. C'est la question que j'allais poser. Pour pouvoir mobiliser les gens. Bah alors, c'est la question que j'allais poser. Ouais. C'est-à-dire que comment est-ce que vous allez vous y prendre frère, pour mettre fin à la situation? Vous allez en face à l'ennemi. Ce message, c'est pour divulguer. On merci. Ne peut pas dire à l'ennemi comment merci nous beaucoup. Allons nous organiser. Merci beaucoup. Pendant longtemps, on focalisait qui discours Nayo sur les origines supposées rwandaises à Joseph Kabila dans la coalition. Pourquoi on dit supposé? Vous êtes convaincu. Vous êtes congolais, vous êtes convaincu qu'il y a rwandais. Vous continuez mon camp. Origine Nayo et puis surtout relation Nayo. Na Kagame, na Rouberoa, le quoi que baza et le Komogo. Alors, na lingi pour na bande quoi soit Komoba Kolandao, Pesebiso, exemple, moi vous ai démontré que Batouan Nyoso, Bako freiné Congolais à accéder à la démocratie. Oko Pesanga t'en a répondre. Pesa Yano. Bon. Nini Yaliboso. Depuis Nazala qui le premier Congolais, ce n'est pas par vantardise, j'ai été le premier Congolais. Oyo Nano, Joseph Kabila a prêté sermenté. J'ai dit dès que ma cité Kombo naye, Nalobi, ce jeune homme n'est pas congolais. Kabila, biso naye to kutana boyo, pa biso na to kutanite. Donc tozé nazé na problème personnel avec qui était. Ici pour moi, c'est le problème de la souveraineté de mon pays. C'est ça le drame. Il faut que tout le monde tous se comprendre bien. Nga nazé na problème était Rouberoa biso naye to kutana jamais face à face. Topé, ça n'a jamais botté. Donc, Nazé n'a problème personnel, ni avec Rouberoa, ni avec Kagame, n'a nobisoné Tokutana. Tant qu'on a dit pouvoir n'a qu'un comme on a eu plusieurs fois. Ce n'est pas mon ami. Museveni était mon ami. Parce qu'il ne l'est plus. Mais Kagame, bisoné Tokutana jamais. Mais Batouana, son Nazé Kolobango, ils aient parce que n'a yébi qu'avec tous les renseignements sûrs que je possède, ces gens ne sont pas des Congolais. Et ba mindele nyonso ba yebi ango ONU ba yebi Union européenne ba yebi Union africaine ba yebi
Mais au yebi loko nini balobaka na bokutu. Hey, mais c'est bino ba congolais boyambi et. C'est bino moko ba congolais bondimi bango. Donc qu'est-ce que vous voulez que nous en fasse? Et j'ai quoi applaudir bango nan. Et ti bango wanana. Parlement et fandi wana et j'ai quoi ça là maintenant constitution sur mesure. Et j'ai banane ba congolais. Vous voulez que nous les étrangers en fassent quoi? Et ils ont raison. Défend baonga na kolobanine. Mais n'a pas si beaucoup d'éléments. N'a pas ça qui déjà nini ba ba piste na livre o ezé liboso na yo crime organisé kamata extrait annexe numéro 17 na publié ou à l'intention des Congolais lettre ya administrateur Mugaza administrateur ya territoire ya Minembwe kamata lettre wana tanga Mugaza n'a jamais démenti cette lettre. Rouberoa a démenti jamais lettre wana. Na kati ya mokanda wana lobi, réunion oyo bisona yoto salaka yango et pa na Kagame na Kigali le 6 janvier 2004 pour na ko créer territoire ya Minembwe. Po to botolo ba kolomboka mabele to contrôler ezenga imoto na comité ye moto a komi. Alors, je pose la question, soki Rouberoa azalaka congolais, comment a koki ko ba koki ko komela mokanda wana? Te biso, to sali réunion na Kigali, to boto lomboka. Et lelo, makambo wana ezo leka na Minembwe bazo tala. Meme mwa sewe bwe na pesi mokanda ba kangie. A wuta ki Minembwe. Donc c'est le plan, ya occupation, ya Minembwe. So ki lelo na bina ebiso makambo ezo leka na Minembwe, mais vous risquez de tomber évanoui. Joseph Kabila, na ko kende, na ko remonte jusque na nini au délu jete. Na kamati na simplement un document. Le plus récent, pour ça, toujours le passé, babi, non, toujours comprendre. Un document le plus récent, document officiel, où il a signé en 2002, un an après qu'il a commis président, a signé en avec Dos Santos na Museveni, na Angola. Pour un accord, il y a non-agression entre Angola na RDC. Mais Tanga a publié le document. Wana. Et j'ai fait demander même que Batali soit Yango. T'as la signature Oyezali Nase à Kombo ya Joseph Kabila. Il faut à la graphologue, c'est clair à ce qu'on y a H Kanambe. Hippolyte Kanambe. Bolingi Bapé Sabino prévenir. C'est ça le problème. Le problème est problème mokete. Problème est la nationalité. Problème est cause à la président et Mboka Nabato. T'as la. Na Mboka Oyoloko Sikato Fandiao. Cause la nationalité ya Pamba. Po yomo payao koma français. Mais, ezali ngomba. Po te oku kakokota nakati. Soki okei mboka loko la États-Unis. Kamata ka ya gouverneur ya Californie, Schwanager. Mais, esika komi gouverneur ba ebisi eke souka na yo yango yo koki meme ko kende soute mnani Reagan azalaka gouverneur a wabo akoma ki président. Mais yo oku komate pourquoi? Parce que obotami ya wate. Rien que ça déjà. Mais et pas inabisso, ce bonhomme motoyé bi pa ya outité. Tolo ba ke motoyé bi te mais biso yo tozé na miso mine toyé bi pa yo ya outi. Toyé bi pa nini ya zali. Ya ngwana na lobaki na lobi voilà. So ki même biso ba congolais tozé ata ba bololé hein. Ata loko la sombi ba congolais e belé. Oyé ba je ko sala maintenant campagne pour na ye, mais e mboka na biso. Chaque congolais a droit ya ko réclamer sécurité ya mboka wana. Ngai na sengi yango, pe na kosumi batre pona yango jusqu'au bout. Soki Joseph Kabila, alobi azala, candidat président de la République, alobi tata na ye, Laurent Désiré Kabila, mama na ye safi, eh bien, eh bien, mais Kabila, ezebe liboso nanda kone esika salaka. On peut reprendre babanini ya Kabila, pour batu sala bata la test ADF. ADN, basa la peo ya ye, ya nini ya ye moko, e ya safi, o mamane ya ze vivante, o ya bi ya ze mamane ya botie, makila na ye. Me basa la test. E rassure, ngay on kouwa na zolo belabino en tant que président ya pareko, je suis prêt, je serai le premier publiquement à présenter mes excuses na Joseph Kabila pour dire, je présente mes excuses, vous êtes Congolais, allez, battons-nous maintenant comme les Congolais, mais tant que a pesibi sou preuve te pon gay na ye bi ke aza Congolais te. Et je dis ici, il y a des choses auto kouko lo bango na public te. Ba témoignage auto zo kouzwa ya ba Rwandais bango moko, en privé. O bazé ko pesa pon na kota de sa vie, mais bazo ko mon obiso ba Congolais, quoi ba bolole, po bango ba ye bi ki il est, ce garçon-là.
Donc il faut vraiment. Et puis Bangonyoso, Yé, Roubé, Roi, Kagame, bah comme bah vautour, oh yoke, bah nini mbo cannabiso et comme le cola wenze. Jekamine bateki. Kilomoto bateki. Sengamine bateki. Nini miba et fandi wana et komi poche argent de poche personnelle. Yaye Joseph Kabila avec certains lobbies belges au bazo soutenir. Mais Ngonga Zaito Kobi Misabasekele wana nyos. Parce que soko bazo soutenir, tu yemi pourquoi bazo soutenir. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Le problème est à nationalité. Mon frère, il y a des problèmes en Bandaté, il y a des problèmes à Parécote, il y a des problèmes à tout Congolais. Parce que ndenge na ebisa ki awa so okena bamboka mosu pembeni na biso pour motu a présenté candidature na ye pour la présidence et la République, mais il faut ba prouver quatre générations que ya za Congolais. Mais pe na biso ba prouver au moins que moi na wana tata na maman ya za Congolais. Moi je sais que Kabila ce n'est pas son père. En tout cas, monsieur Honoré Mbanda, likambo eza likambo mabele. Et quand on a bien bâti, quand on dégage on a été, en tant que Franco là qui a imba qui a engo yo na ya yo ngai na yanga, toko wela nini, eli li kamba mabili. Tous on ga lelo, bah dénombré 25 millions y a bah électeurs congolais, bah kaboy bongo mboka mboka. Yo lobi nyoswana ora na confiance na yangote. Alors, lobi pedi sous sol lobi pour na yo match na le bandité. Processus on nyoso, lobi étalioté pour communauté internationale, pour tout le temps, l'Union européenne, bah, 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 si, bah, tient 149 millions, ce qui est milliards à habiter, d'euros, et pour Nambo Cannabis. Alors, bah, tu as un peu de temps? Bon, on a répondu à la question. Bah, tu as 140 millions, bah, tu as 150, même 150 milliards. Est-ce que cela vaut la valeur de la dignité, de la souveraineté, il y a peuple congolais de génération en génération en génération. J'ai dit non. Nani atinda ki bango baya na mbongo wana. Bango moko bato baponi baya na mbongo wana. Et ils sont venus avec cet argent, balobi baya ko investir, mais na poser bango question. Question zolo bana ngai na zongi seli bango, na zolo bango lelo polele. Nabi meboye na mbongo wana bo sopi yango wapi pe résultat nini. Pour bino boyebi que na conflit armé nyonso et loko ya liboso 1 ezali ko ramener paix. Mais pour na ko ramener paix, il faut bon neutraliser ba belligérant. Or ba belligérant bon neutraliser bangote. Quel bon investir mbongo wana et pa yapi. ONU wana porte bo bato ya ONU basi ko ya mbongo bazolo ba wana. Il faut to kende liboso to zonga sima. Mbongo wana ya bato ya ONU, ces gens de l'ONU bazo futa bato batindi mbongo wana. Bami tukana bango, bandako na bango, bazola na bisika ya luxe, koli ya na bango, biloko ya luxe et tout cela. Et puis avec cet argent ebele, bazo pesa na basoda wana, bazo viola ka ba fille na biso et tout cela. C'est ça l'argent dont on parle. Mais résultat réel pour na biso zenine. Mbongo wana sengele ki liboso, balo babi bon, maintenant avec cet argent, to monter une armée. Bako kaki ko monter une armée congolaise depuis longtemps. Mais si ka toze ko sola makambo mususu. Mais pourquoi va venir monter armée congolaise? C'est comme que va monter armée congolaise. Non, bino moko, ils ont problème avec nous. Alors qu'ils savent bien, bato bazo ba bino moko ils ont bapaya. Ba yebi que transition ils ali na maboko ya bapaya. Pe bazé ko ba tika bapaya wana bango ba monter armée. Yo mona wapi moto wa salambeli po ami boma. Parce que ba Rwanda bazé na pouvoir et pe na biso. Ba yebi ka te mokolo tozé na armée ya monene pan liwana bango ekoki. C'est pour cette raison que ba lingite pe ba kolingate na bandiko yebi salikambo ça fait 3 ans que ba rwandais ba kolinga jamais que to mettre sur pied une armée et puis ta la même mise en place et à 1 plus 4 Kagame a mis imposé pour que Rouberoa akamata défense pe ba problème et à sécurité en mboka et de l'autre côté nani Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe, parce que c'est son vrai nom, Yem, de son côté, Azena présidence, Azena justice, Azena sécurité, Azena police. Mais Biso ba Congolais toza wapi dans tout cela. C'est là le drame que nous, on ne comprend pas et on ne veut pas comprendre. C'est pour cette raison que j'ai dit, mon combat aujourd'hui est clair. Et Zali, que nous allons mobiliser et les militaires, et les civils, et les leaders, pour que maintenant, Mbouloyo et Zemboula Yasuka. Il faut tout me constituer maintenant en une force politique d'abord. Politique, parce que nous voulons d'abord une solution de paix. Moi, je ne suis pas pour la guerre.
il faut une force politique au tokosa la que ce qui les loyaux biso ba congolais nyonso tolongwe na bolole bazo kamata biso pona ko manipuler biso to miti ensemble pour dire que à partir de maintenant écoutez laissez-nous prendre en main notre destinée ce qui bolingi même ko retirer mbongo na bino kende na mbongo na bino. Mais Tommy, biso Tommy organisé, Tommy prendre en main, est-ce que vraiment les Congolais sont incapables aujourd'hui que Tommy tient ensemble tout ça, un gouvernement réellement congolais, une armée réellement congolaise pour pouvoir pacifier notre pays et demain organiser rapidement les élections? On va me dire que nous les Congolais, nous en sommes incapables. Je veux revenir avec mon confrère Tumba. Aujourd'hui, vous avez, comme vous avez dit, entre guillemets, comme aime bien le dire le Congolais, mon ami se miné. Alors, tout comme ami se miné, qu'est-ce qui nous attend d'ici au 30 juin et même après le 30 juin 2006, qu'est-ce qui, selon vous, serait en préparation, en cours de préparation à Kinshasa et dans les officines internationales sur notre pays? Nazar des 20 ans. Na ko répondre na question wana te na za de 20 tunangai tunangai eloko nini oyo ngai na se ko lengele pona mikoleze ko ya wana na ko répondre yo les autres bango bazo lengele mon travail en tant que leader c'est ya ko kota pe na se pona ko ebe loko ni bazo sala mais sona ebi na ko ebi sayote pour te ze justement et tumba ya se na mai tina na so ki lelo yo boy makambo nyoso na ze ko bimisa yango. Quelques mois après, j'ai commis confirmé pourquoi. Parce que je n'ai inventé rien. Ma kambonyo son n'a pas loba, n'a pas zoyango, et pas ya banguna, bango moko ndenge ba zeko lengele, pona ko sala na mboka na biso. Oyo nyoso na loba ki, bandima ki ngete e salemi. Non, problème nini pona mboka na biso na lobi ya mboko lele. Vous êtes optimiste. Nazali inquiet et optimiste. Inquiet si le peuple ne se réveille pas à temps. Et que nous ne nous organisions pas à temps. Parce que Nazali Rambote, comme j'ai dit, je ne veux pas faire des choses seul. Et donc, c'est pour cette raison que Siko Tozoko mobilisé tout le monde, tous azimuts. Diaspora, Bobazen intérieur, soda, religieux, pasteur, prêtre, évêque et tout ça. Pour que Motuna Motu à prendre conscience. Et c'est là que tu forcé Motute. Motuna Motu à prendre conscience que le pays est réellement en danger. Parce que na yebi que na cadre yaba élection oyobaze kolengele, je répète et je me répète là-dessus, c'est un piège qu'on tend au peuple congolais parce que les dispositifs sont piégés en amont et que demain, le peuple congolais, je vais vous rappeler encore un autre fait. D'avaliser un piège qui a été mis en place. Oui, mais on veut que le peuple puisse dire, à donner la légalité na occupation. Et demain, on dira, non, c'est vous-même les Congolais qui l'avez élu, vous n'avez qu'à l'accepter. Les Congolais diront quoi? Et là, nous risquons de plonger dans une spirale de violence que personne ne risque de contrôler. Et nous risquons de perdre plus de temps que Obazoko Sabiso Lelo, que ah non, le peuple est fatigué, il a beaucoup attendu, il ne peut plus attendre. Il ne peut plus attendre quoi? Sa mort. C'est parce que ce qu'on prépare au peuple congolais maintenant, c'est sa mort. Donc le peuple est fatigué d'attendre sa mort. Non, il faut arrêter ce peuple pour qu'il ne tombe pas dans le puits, dans le piège qu'on a tendu, et pour que nous répartions d'un bon pied. Mais alors, comment voyez-vous le Congo de demain? Mon frère, je commence d'abord par ce que moi j'ai dit aux Occidentaux. Je leur ai dit ceci, que le Congo de demain, et j'ai dit en même temps que ce n'est pas seulement le Congo de demain, mais l'Afrique de demain. L'Afrique de demain, ce n'est plus l'Afrique où les dirigeants politiques doivent être choisis à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Washington. Non. Ça doit être les dirigeants que les peuples africains choisissent librement parce qu'ils reconnaissent en eux un programme d'action, une éthique, un comportement qui inspire la confiance qu'ils puissent défendre leurs intérêts. Et le Congo de demain, moi je vous dis une chose. Moi je vois un Congo puissant et fort. Je vais vous dire pourquoi. Comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Dans une situation difficile,
Et la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est-à-dire que quand je regarde tout ce qui se passe maintenant, moi je dis, nous les Congolais, nous avions déjà une autre expérience avant l'occupation. Aujourd'hui, le Congolais a une deuxième expérience qui est une expérience fantastique. J'écoute beaucoup la diaspora congolaise, les jeunes à l'extérieur. Je vois l'ouverture de l'intelligence à l'extérieur. Je vois la diversité des expériences à l'extérieur. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est riche. Vous qui êtes nos cadets, c'est une jeunesse qui a maintenant une lourde expérience parce qu'elle a vécu dans sa chair et dans son sang les douleurs et les affres de la guerre, les affres de l'occupation, de l'humiliation et de la domination. Demain, je vois cette jeunesse comprendra mieux que quiconque l'importance de la souveraineté. Aujourd'hui et demain, je vois un Congo où les cadres comprendront mieux ce que c'est que le bien national, les richesses nationales. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus riche du monde avec un peuple le plus pauvre du monde. Mais je crois que demain, nous devrons rétablir cet équilibre d'avoir un peuple riche et un pays riche. Un peuple prospère et un pays prospère. Nous avons, c'est pour cette raison que dans la PARECO, j'insiste beaucoup. Et je suis mieux placé pour insister parce que moi, j'ai été du dedans. J'ai été dans la Deuxième République, j'ai été dans la transition. J'ai vu les erreurs de la Deuxième République, j'ai vu même les erreurs de la Première République, j'ai vu les erreurs de la transition et je suis mieux placé pour dire à la génération actuelle et future qui vient, attention, voilà ce que nous devons faire. C'est pour cette raison que j'écris beaucoup, c'est pour cette raison que je parle beaucoup, c'est pour cette raison que j'ai créé un site dans lequel j'écris beaucoup. Et je donne beaucoup de témoignages et d'orientations. Ce n'est pas par prétention. J'estime que c'est un devoir que ceux qui sont de ma génération, qui ont été au pouvoir avec moi au même moment, tous nous aurions dû le faire. Parce que je n'ai pas le monopole de la vérité. Les autres, si tout le monde le faisait, je serais complété, je serais contredit dans mes erreurs et la jeunesse n'en serait que plus éclairée. On va se tourner vers Jeune Ngoubou. Il nous reste très peu de temps pour finir ce grand Likita. Jeune Ngoubou, votre lecture de cette deuxième partie du débat. Bien, le Congo de demain, apparemment, passe par une solution politique. Le président est en train de prendre une réserve. Voilà, il a pris une réserve sur le deuxième aspect militaire. Or, il se trouve que le véritable problème qui a d'ailleurs supplanté l'aspect politique, c'est l'aspect militaire, oui, sécuritaire. Je suis heureux que M. Honoré évoque de temps en temps ses relations avec ses amis occidentaux. Ça, c'est un aspect de tout ce tableau. Je préfère que vous parliez des partenaires, ce ne sont pas mes amis, ce sont les partenaires. Des partenaires avec qui ils discutent les yeux dans les yeux, voilà, je pense. Ça, c'est un aspect important. Du clavier. Mais d'autres notes, puisque j'évoque le clavier, d'autres notes qu'il faut toucher, c'est, dit-il, la réconciliation entre les Angolais, les Rwandais et les Congolais dans le crime organisé, c'est une des issues. Et là, M. Honoré évoque le peuple dans sa globalité, mais je n'aime pas trop l'expression le peuple, parce que tout le monde parle au nom du peuple. Est-ce qu'il voit la rue? Je suis en train d'insérer des questions dans mon analyse. Quand il dit peuple, voit-il la rue ou quel peuple? Autre note qu'il faut toucher, c'est la responsabilité des intellectuels. Parce que quelque part dans le crime organisé, j'ai l'impression que M. Honoré... j'espère que, monsieur Honoré Nguanda, j'espère qu'on ne vous accuse pas de parler fort parce que vous êtes à l'extérieur. J'espère bien. La responsabilité des intellectuels qui doivent avoir la mission d'éclairer le peuple sur non seulement ce qui s'écrit sur son pays, mais aussi ce qui se passe.
parce qu'on peut aussi écrire des bévues. Mais ce qui se passe, j'ai discuté avec certains amis autour, qui m'ont vu avec les ouvrages de Noreng Banda. Je les ai invités plutôt de lire le contenu. Parce que s'il y a des choses à modifier, partez d'abord de la lecture et réagissez par la lecture. La responsabilité des intellectuels. Il semble qu'à ce niveau-là, certains analystes reprochent à Kabila père et même fils d'avoir utilisé une des tactiques de M. Mobutu. Rappelez-vous que dans Ainsi sont les glas, vous êtes en train de présenter les tactiques, je veux dire les comportements qui ont marqué l'intelligence de M. Mobutu. D'un côté, parce qu'ailleurs, vous faites une analyse un peu plus distante avec beaucoup d'objectivité. Alors, une des tactiques de M. Mobutu, c'était de s'entourer des intellectuels, et pas de moindre. Aujourd'hui, ceux qui vous ont remplacé utilisent cette tactique-là, les intellectuels. Il s'agit de quel intellectuel qu'il faut responsabiliser? Merci beaucoup. C'est, c'est une question très pertinente. Vous savez, quand moi je parle d'intellectuel, j'ai peut-être mon concept d'intellectuel qui ne correspond pas avec le concept de tout le monde. Parce que je fais bien la différence entre l'instruction et l'éducation. Il ne suffit pas d'être instruit pour être intellectuel. Il y a les valeurs qui sont les valeurs sine qua non pour qu'on parle de quelqu'un comme intellectuel. Bien sûr, l'une des valeurs sine qua non, c'est l'instruction. Il faut s'instruire, il faut se former. Ça, c'est évident parce que sans cela, on ne peut pas parler d'intellectuel. Mais il ne suffit pas de s'informer, d'avoir des diplômes. Parce que, comme vous l'avez dit, tout pouvoir s'est entouré chez nous des grands intellectuels. Mais ces intellectuels-là n'étaient pas des intellectuels au sens complet du terme. Parce que pour être intellectuel au sens complet du terme, cela demande que le bagage intellectuel soit accompagné d'un bagage moral. Aujourd'hui, je ne voudrais pas, parce que je me suis donné une discipline, de ne pas engager des polémiques avec mes compatriotes congolais. Mais ici, j'ai fait une analyse froide. Quel nom donnez-vous à un cadre? Je préfère le mot cadre qu'intellectuel. Un cadre politique congolais qui, au mois de janvier, se trouve dans l'opposition politique non armée. Au mois de mars, il se trouve au RCD Goma. Au mois de juin, il se trouve au MLC. Et au mois d'août, vous le retrouvez au PPRD. Vous lui donnez quel nom? Un vagabond politique. Moi, je ne l'appelle pas intellectuel. C'est ça. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une vision. Et une vision appelle des principes et des stratégies pour atteindre cette vision. Et quand on a des visions, on peut résister aux tentations. On peut faire des sacrifices. Parce que si moi, je vais au nord, vous venez avec 100 000 dollars pour que j'aille à l'est, j'ai dit non, je n'ai rien à faire là à l'est, l'objectif que je poursuis est au nord. Si les 100 dollars c'est pour que j'arrive au nord, j'accepte, mais si pour que j'aille à l'est, je n'y vais pas. Mais quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas d'idéal, et l'idéal c'est l'échelle des valeurs, quand on manque tout cela, alors comme mon compatriote vient de dire, on devient un vagabond politique. Et malheureusement, chez nous, au pays, aujourd'hui, je suis désolé, mais les trois quarts des cadres politiques congolais, c'est ça. Vous voyez des Congolais qui, moi, je vais vous dire une chose, il y a des Congolais qui m'injurient dans l'Internet, qui m'injurient à la radio, mais au même temps, ils passent le message par quelqu'un pour dire l'obanaïk vient à comprendre bisokaka ezema kamboya ba position tozanango. Moi je ne réponds que par le silence, parce que c'est par le mépris seulement du silence que je peux répondre à ça, parce que j'estime que là ce n'est plus ça, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui un petit pays comme le Rwanda est en train de nous manipuler. Le grand Congo, avec un tant de nombre d'intellectuels, on est en train de nous manipuler. Les gens qui sont en train de défendre aujourd'hui les occupants, ce ne sont plus les Rwandais, ce sont des Congolais. Et ce sont des grands intellectuels congolais qui le font. Mais je suis content que vous ayez soulevé ce problème. Refusez les polémiques ou la polémique. Moi, je vous déconseille ça.
Parce que dans la mesure où vous avez un idéal, je pense que, et je me réjouis d'ailleurs de votre ouverture sur certains endroits, en se reconnaissant avoir géré, je pense une des tactiques devrait être, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'on démontre que ce que vous dites est fausse. Je vous conseille cette tactique. Parce que si vous dites je refuse la polémique, vous risquez de vous faire soupçonner. Mais je suis content que vous ayez comme parmi les épingles du jeu, je voudrais qu'on démontre que oui, vous avez, ce que je dis vous est faux. Vous avez tout à fait raison, peut-être que je me suis mal fait comprendre quand j'ai dit que je refuse la polémique. J'ai dit je refuse les querelles. Les querelles entre nous Congolais qui nous distraient du vrai combat. C'est dans ce sens-là que je voulais. Mais si nous devons faire le débat sur ce qui doit nous amener là-bas, mais ça c'est indispensable. C'est la précision que je voulais donner. Donc nous arriverons pratiquement au terme de ce grand Likita. Un Likita qui, je rappelle, a été rehaussé de la présence de M. Honoré Mbanda Nzamboko Atumba, président de la PARECO. Et je suis content que sur ce dernier point, nous revenions sur le terme des valeurs, puisque en début d'émission, vous avez défini votre mouvement en essayant sur la refondation, de refonder le Congo sur ses valeurs. Et j'aimerais juste que là, vous puissiez vous adresser à ces Congolais, justement, pour rappeler ces valeurs qui sont lesquelles. Oui, vous voulez me compléter là-dessus. Oui, j'abonde dans l'essence de M. Joseph Pouroulou. Monsieur le Président, par votre combat, quel message cherchez-vous à adresser au peuple congolais? Merci bien. Je crois que mon message est clair. Vous avez tout à l'heure parlé des valeurs. Je reviens là-dessus pour dire que dans l'alliance que je conduis, ma première action que j'entreprends dans la direction des compatriotes congolais, c'est la remise en question de nous-mêmes. Nous avons, je commence par moi-même, j'ai été partie prenant dans l'exercice du pouvoir de la Deuxième République. J'en assume pleinement la responsabilité, collective s'entend. Quant à la responsabilité individuelle, j'ai dit toujours qu'elles doivent être prouvées et mesurées. Mais en ce qui concerne notre responsabilité, j'ai dit que même les gouvernements qui nous ont précédés et les régimes qui nous ont précédés ont commis une erreur fondamentale, c'est de reposer le pouvoir sur les antivaleurs. Et ces antivaleurs, nous les connaissons. Et j'ai dit, nous devons remettre en question nos méthodes de travail, notre comportement, notre attitude, notre vision, notre comportement pour que le pays, le peuple de ce pays, qui depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour n'a jamais bénéficié ni des richesses de ce pays, ni de la paix, ni de la tranquillité, ni de la dignité, que ce peuple-là puisse avoir un air de repos, un air de paix pour jouir de tout cela. Et pour ça, aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation où notre pays est l'objet de complots internationaux. Notre pays est l'objet d'un complot international qui vise à sa balkanisation et à son occupation et à la mort de l'État qui est déjà mort. C'est pour cette raison qu'à la phase actuelle, dans la situation actuelle, parce que je sais que tout ce que l'on a fait depuis le début, jusqu'ici, les Congolais ne se sont jamais retrouvés dedans. On est allé à Sun City, on a fait 1+4, on a monté des programmes, on a improvisé et imposé le système des élections, les élections qui sont piégées en amont et qui sont complètement envenimées jusqu'en aval. J'ai dit au peuple congolais, c'est le temps de dire halt à toute cette manipulation et au niveau national et au niveau africain et au niveau international. Que les militaires puissent se réveiller. Nous avons des soldats congolais, nous avons des militaires congolais que les étrangers ont emprisonnés dans les composantes pour servir leurs intérêts. Je dis à ces militaires, le moment est venu. Nous allons commencer à réfléchir maintenant concrètement pour que les patriotes congolais se rendent compte d'abord que
ils sont prisonniers des ennemis de la République et du peuple, et ils les utilisent contre ce peuple pour que le peuple n'ait pas une armée qui va le libérer. Nous avons commis ces mêmes erreurs hier. Laissez-moi passer ce message, s'il vous plaît. Je le passe pour qu'ils comprennent. Hier, nous avons commis ces erreurs. Nous ne devons pas rester à pleurnicher sur les erreurs du passé. Hier, l'armée avait été mal utilisée. Moi, j'ai été ministre de la Défense. Je connais les défauts et les failles de cette armée. Je les ai décrites ouvertement et courageusement dans mon livre « Ainsi sonne le glas ». Parce qu'on ne peut pas corriger si on ne reconnaît pas les erreurs. Moi, je reconnais ces erreurs-là. Et j'ai dit à ceux qui n'ont jamais dirigé et aux militaires qui sont sur le terrain, voici les erreurs qui nous ont coûté cher hier. Voici les erreurs qui nous ont fait perdre notre pays hier. Aujourd'hui, mettez-vous ensemble. Nous devons nous organiser à la jeunesse congolaise, aux étudiants, aux syndicats, aux dirigeants des églises et autres. C'est le moment de dire non à ce processus électoral. Parce que ce processus électoral est un piège. Nous devons aller demain aux élections. C'est le message que je leur donne. Nous devons aller demain aux élections. Et nous devons faire les élections. Mais les élections pour les élections, non. Parce qu'il y a les élections qui peuvent amener la division. Les élections, nous avons vu en Angola il y a 15 ans, les élections avaient été le début d'une guerre civile plus virulente qu'avant. C'est ce que nous risquons d'avoir demain. Quand le peuple, je ne dis pas moi, qu'on n'ait pas peur, qu'on n'aille pas dire « Ah, Mbanda prépare les militaires pour... » Non, le peuple va se soulever. Les militaires là qui sont au pays, ils vont se soulever. Parce que ces militaires là, ils savent qu'aujourd'hui, l'argent qu'on envoie pour eux est détourné. Et que quand l'Union européenne dit « Laissez-nous payer les militaires au moins », ils le refusent. Mais ça, c'est prendre nos militaires en otage. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils payent ces armées, ces militaires, sinon ils vont découvrir la supercherie du gonflement de nombre de l'effectif. Donc aujourd'hui, notre pays est sans armée. C'est pour cette raison que Kagame, Museveni et tous les autres peuvent se promener dans notre pays, violer nos filles, violer nos mères, et jusqu'à quand nous devons supporter cela. Vous croyez que le peuple, un jour, ne va pas se rendre compte à mon message? Ceux qui peuvent croire que mon message ne passera pas, ils se trompent. Parce qu'il arrive un moment où le peuple prendra conscience et ce n'est plus loin. Dans quelques jours, le peuple va prendre conscience. Évidemment, ceux qui ont Congo bakamata conscience, babaniko kamata conscience, je crois que babaniko mona o laka ki babaniko salema. Mais bango de leur côté babaniko salani. Et là qu'on a zé kolo bayango. Les loyaux, pour nous causer la concret. Bana oyo yabiso, ba peuple oyo yabiso, ezala na niveau yaba ba étudiant, ezala na niveau yaba église, ezala na niveau yaba syndicat. Bazali na ba leader wana nenga na zekomi adresser na bango. Po bango ba zwa information, na lobi na bango te que moi je m'impose, non. Nazo pe sabino la vraie information. Soki lelo ba syndicat na biso etelemi, ba étudiant ba telemi, ba église etelemi. Non, si ko biso to moni clair, mais ba to ba ko tel, mais soko biso ba leader à tous les points to telemi si bango. Ezali makambo ya nini ya ba coup d'état ni non, pona biso ezali que processus oy élection oy ba ti yango yo ba ti li biso ngenge na kati. Eze motambo, pote bo mamboka. Pote le ko sango ko kende ti soke komi na suka bana ya mboka ba ko sutuka kate ba bia maintenant bino moko ba congolais vous avez élu Joseph Kabila président de la République 5 ans boy élire nani Rouberoi vice président de la République ou à côté aller premier ministre ainsi de suite et nous allons retrouver avec système bango balingi ko sala que nous sommes de nouveaux prisonniers et comme beaucoup d'intellectuels congolais basés sur la personnalité ba ko somba quelques valets. Des intellectuels qui n'ont que le diplôme, mais qui n'ont pas le moral, basé na valeur, il y a quoi, il y a bomotu. Le quoi, il y a quoi, il y a bomotu. Pour qu'on ait que attaque, pe, pe, singembong. Pour qu'on ait quoi, il y a une chose. Et si qu'on a fait, il y a ce qui n'a pas été, il y a un nombre, il y a un bongo. Il y a basé qu'on propose, il y a un bongo, il y a un propose, il y a un bongo, il y a. Pourquoi on a kamatite? Mais on va proposer une zélie et c'est aussi qu'à coller comme moi miette au bazar puis ça qu'abandonne comme ça qu'on a n'emboka n'a pas comprendre rien au côté
ba meki ko pesa mbongo ya ko corrompre ti ba ko kite maintenant ba bandi ko tinda ba tu ya ko bomanga mais wana ze mo sala pamba parce que ça ma vie ce n'est rien par rapport à l'avenir du peuple congolais mais je sais une chose ma vie vaut cher parce qu'elle est cachée en Jésus et kutumba na ze ko bundeze tumba otozo tele mena selon le combat de Dieu et pesibiso mboka république démocratique du Congo ba Rwanda te et pesibiso yango ba belge na ba américain te et pesibiso yango nzambe et les cobiso tozo beta mabolongo pe tolobi nzambe ze mabele yo pesibiso ata to sala ki ba faute lobi limbi sa biso mais maintenant to lingi to récupérer mboka na biso to bongisa yango po bana yo tina mboka yo bali ya bien balala bien balata bien nzambe wana ze likolo ko yo kabiso te pe na ze sûr que peuple congolais pe akotele pe lobi makambo ko change. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Merci, Tumba Tutu de Mukose. Merci, Jean Goubou, pour la lecture au Sali Sima Yamalbana Bisso. Merci, Penabino Bato Bolandi Bisso, na grand Likita. Likita Oyo, Etalaki, Likambo, Yakongo. Et encore une fois, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis pour cette échange cet entretien avec M. Honoré Ngbanda, qui est le président de l'APARECO, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Et nous espérons, avec vous, être optimistes pour l'avenir de ce pays et surtout que les Congolais partagent votre inquiétude s'ils ne se mobilisent pas dès maintenant. Par la grâce de Dieu. Voilà donc, c'est fini pour cette émission. À très bientôt sur Radio Mangembu. Le grand Likita.